Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin d'encore plus d'aide, allez faire un tour en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va parler d'un transfert thermique particulier, la conduction. On a vu dans cette vidéo-là qu'il y avait trois sortes de transferts thermiques. La conduction, c'est une de ces trois sortes, c'est celle qui arrive lorsque deux solides de température différentes sont mis en contact. Par exemple, quand je mets une cuillère dans ma soupe, la partie qui est dans la soupe est chaude, mais si j'attends suffisamment longtemps, eh bien, le bout de ma cuillère va être chaud, alors que pourtant il n'a pas touché la soupe. Eh bien, le bout de la cuillère devient chaud par conduction, parce que le bout de la cuillère est un solide en contact avec la cuillère qui est dans la soupe. Ils n'ont pas la même température au début, et du coup, il va y avoir de la conduction. Donc ça, c'est au niveau macroscopique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique? Pour comprendre ce qui se passe au niveau microscopique, il faut se rappeler, comme on l'a vu dans cette vidéo-là, que la matière est faite à l'échelle microscopique par des particules qui vibrent sur place. Donc pour un solide, c'est des particules assez compactes, les unes proches des autres, qui vibrent sur place, les unes par rapport aux autres. Et que cette vibration, et ça on l'a vu dans cette vidéo-là, dépend de la température. Donc plus un corps est chaud, plus les atomes qui le composent vont vibrer rapidement. Donc quand je mets ma cuillère dans ma soupe, cette partie-là de la cuillère qui est dans la soupe chaude vibre plus vite que cette partie-là qui est plus froide, qui n'est pas dans la soupe, qui vibre donc plus lentement. Et donc à un endroit dans cette cuillère, il y a des particules qui vibrent vite qui sont à côté des particules qui vibrent moins vite. Et donc elles vont taper les unes contre les autres. Les particules qui vibrent vite vont taper contre celles qui vibrent plus doucement. Et exactement comme au billard, eh bien, ils vont se transmettre, cette vibration, cette vitesse va se transmettre. Et comme ça, de proche en proche, la vibration va arriver jusqu'au bout de la cuillère. Et ça, c'est quelque chose qui est assez courant en physique. Ça arrive à chaque fois qu'il y a une grandeur intensive qui est différente à deux endroits. Alors ici, c'est la température froide ici, la température chaude ici. Et à chaque fois qu'on a ça en physique, en fait, ça va provoquer un transport. Alors ici, ça va être un transport d'énergie qui va combler ce déséquilibre. Comme c'est plus chaud ici, il y a plus d'énergie thermique. Ici, c'est moins chaud, donc il y a moins d'énergie thermique. Et donc, il va y avoir un déplacement d'énergie, ce qu'on appelle un transfert d'énergie, qu'on va appeler Q, transfert thermique. Et en fait, c'est courant en physique parce qu'on peut imaginer à la place que ce soit la température, que ce soit par exemple la tension. La tension n'est pas la même ici et ici. Du coup, il va y avoir un déplacement de charge qu'on appelle le courant électrique. Et c'est cette propriété-là qui explique aussi la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, c'est en fait très proche de ce qui se passe dans la conduction. Et enfin, le dernier exemple, c'est en chimie. C'est s'il y a un endroit, par exemple, la concentration est plus élevée ici que là, il va y avoir un déplacement des particules pour que ce soit homogène. C'est pour exemple comme ça, quand le sucre se dissout dans l'eau, ici il y a beaucoup de sucre, là il n'y en a pas. S'il attend suffisamment longtemps, il va y avoir un transport des molécules de sucre qui vont du coup occuper tout ma tasse de thé. Et donc ce transport, il a lieu tant que le déséquilibre existe ici entre les deux températures. Donc en fait, ça va s'arrêter quand le manche de ma cuillère sera à la même température que le bout de la cuillère qui est dans la soupe. Donc quand ces deux températures-là seront les mêmes, c'est ce qu'on appelle l'équilibre thermique. Tout ce que je viens de décrire ici peut être décrit par une loi locale, c'est-à-dire une loi qui existe au niveau mésoscopique. Et cette loi locale, c'est la loi de Fourier. Ici, ce qui intéresse, ce n'est pas tellement la loi locale, c'est la loi macroscopique. De cette loi locale, on peut en tirer une relation macroscopique. Cette relation, elle va caractériser la puissance thermique, qu'on peut appeler aussi flux thermique. Si on se rappelle de ce que c'est que la puissance, si on ne se rappelle pas, on peut aller voir là, on se rappelle que c'est la variation d'énergie ou le transfert thermique divisé par la durée pendant laquelle a lieu ce transfert, donc c'est Q sur delta T. Si on est post-bac, on peut même écrire la relation locale qui est que en fait, la puissance thermique ou le flux thermique, hein, c'est la dérivée par rapport au temps de transfert thermique. Donc si on regarde les unités, bah, c'est le flux thermique ou la puissance thermique, et bah, c'est en watts. Eh bien, la relation macroscopique, elle est très très simple. Elle dit en fait que la puissance thermique est proportionnelle à la différence de température. On se rappelle, j'ai mon solide avec d'un côté une température froide et de l'autre côté une température plus chaude. Eh bien, la différence de température ici, c'est ce que j'appelle delta T, donc la différence. Si les deltas, ça ne vous parle pas, hop, 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 une petite vidéo ici. C'est assez intuitif. Si par exemple, je suis à 25 degrés et que je veux me faire chauffer, eh bien, c'est plus rapide et plus efficace de me faire chauffer par un radiateur à 75 degrés que par un radiateur à 35. La puissance est proportionnelle à la différence de température. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce coefficient-là.
K, c'est un coefficient de proportionnalité, et de quoi il dépend. Et en fait, ce coefficient, il va dépendre du matériau. Concrètement, entre mes deux endroits qui ont des températures différentes, ici, je trouve un matériau, et ce coefficient-là va dépendre du matériau. On voit bien qu'une cuillère en métal va chauffer beaucoup plus rapidement au bout qu'une cuillère en bois qui, elle, ça se trouve, le bout ne chauffera jamais. C'est bien pour ça que quand on prend une cuillère pour mélanger dans la poêle, on prend une cuillère en bois et pas une cuillère en métal, sinon le bout devient chaud et on se brûle. Ce coefficient-là, il est lié à ce qu'on appelle la conductivité thermique du matériau, c'est-à-dire sa capacité à conduire la chaleur, ou plutôt à permettre un transfert thermique si on veut avoir un langage très précis. En gros, plus cette puissance-là est grande, plus ça veut dire que le matériau est conducteur thermique. Et donc, on peut écrire, à la place de K, la puissance thermique, c'est la conductivité thermique fois la différence de température. Et là, on pourrait dire qu'on a là une relation, sauf qu'en fait, si vous regardez bien, ce n'est pas celle-là que vous avez dans votre livre. Dans votre livre et dans votre cours, on trouve en fait que la puissance thermique, c'est égal à delta T, mais divisé par la résistance thermique. Et on voit bien que la résistance thermique, c'est l'inverse de la conductivité thermique, exactement comme ce qu'on trouve dans le cas de la résistance électrique. En fait, c'est lié à l'usage. Parce que souvent on s'intéresse justement à la conduction, c'est qu'on veut faire de l'isolation. Donc on va chercher des matériaux qui ne transmettent pas les transferts thermiques, qui sont très peu conducteurs. Donc on va chercher des matériaux qui sont résistants, d'accord ? Des matériaux qui ont une résistance thermique élevée. Et plus un matériau a une résistance thermique élevée, moins il va permettre le passage du transfert thermique. Donc c'est pour ça que c'est inversement proportionnel. Et c'est grâce à ces propriétés, à cette façon-là de faire de la résistance thermique, qu'on va pouvoir trouver des matériaux qui ont une bonne résistance thermique et donc on va avoir chaud tout l'hiver dans nos maisons. Donc cette relation, elle est à connaître, il faut l'apprendre. On voit qu'elle est assez simple, on n'oublie pas les unités. La puissance, c'est une puissance, c'est en watts. Delta T, c'est une température, donc c'est en Kelvin ou en degrés Celsius, puisqu'on se rappelle que delta T, c'est pareil en Kelvin et en degrés Celsius. Et donc il ne nous reste plus que la résistance thermique, qui est donc tout simplement en Kelvin par watt. Donc pour résumer, la conduction, c'est une sorte de transfert thermique. C'est celle qui a lieu lorsque deux corps solides sont en contact l'un avec l'autre. Ils doivent se toucher. Pour décrire la conduction à l'échelle macroscopique, on utilise une grandeur qu'on appelle la puissance thermique ou le flux thermique, qui est égal en fait au transfert thermique par unité de temps. Donc c'est donc en watts. À partir de la loi de Fourier, qui est une loi dite locale, on va retrouver une loi macroscopique qui décrit cette puissance ou ce flux thermique. C'est que c'est égal à la différence de température entre les deux solides en contact, divisé par un coefficient qui dépend du matériau, qu'on appelle la résistance thermique, qui s'exprime en Kelvin par watt. Plus un matériau a une résistance thermique élevée, plus il va s'opposer au passage du transfert thermique et donc plus il va être isolant thermiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.